qu'est-ce que l'intuition ? Pour Einstein, c'est une sensation au bout des doigts. Pour vous et moi, c'est une petite voix intérieure qui nous conseille. Une fulgurante certitude qui s'impose. La majorité d'entre nous n'écoutent pas leur intuition. Mais pour ceux qui l'écoutent, beaucoup de choses sont possibles. Bien, on va faire une expérience avec tous les deux. Fabrice, enlevez votre montre. Allez, enlevez-la. Vous allez la donner à Raphaël. Et Raphaël, c'est très simple. Hop. Je vois que vous avez un petit souci. Elle est bloquée. Ah, votre montre est bloquée. Ah, regarde. Technique de voleur. Merci. Voilà. Et l'idée est très simple. Fabrice, vous allez penser à une heure. Mm-hmm. Celle que vous voulez. C'est bon, vous avez une heure en tête maintenant. Ok. Et vous, je vous demandais, Raphaël, par rapport à votre intuition, vous allez prendre la montre comme ceci. Je tiens pour vous. Vous allez tourner comme ceci. Quand vous, autant de temps que vous voulez, et que vous êtes contente avec, par rapport à votre intuition, à l'heure où vous êtes arrêté, vous regardez, vous me dites. Allez-y. Et essayez d'imaginer quelle est l'heure qu'a Fabrice en tête. Regardez l'heure, ça peut être arrêté. Êtes-vous content avec cette heure ou voulez-vous changer? Je peux changer? Oui, changez, allez-y, changez. Et vous arrêtez quand vous voulez. C'est bon? Je regarde. Non. Avant ça, on va demander à Fabrice. Fabrice, quelle est l'heure que vous avez en tête? Je vous dis? Oui, à haute voix. 2h22. 2h22. Vous avez tourné les aiguilles sans garder, vous avez même changé. Ouais. Regardez l'heure sur laquelle votre intuition vous a arrêté. C'est quoi? Dites-le au doigt. 2h22. 2h22. Souvent les gens mangent. Ils pensent à des heures complètement au hasard. Vraiment, la première heure qui vient d'exprimer. Mais vous avez eu un petit temps de réflexion. Ce qui veut dire que vous avez pensé à une heure qui est importante pour vous. Quelque chose qui est lié à... C'est une heure de naissance, c'est juste. C'est l'heure de naissance de votre fils. C'est exact. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, ouais. Tenez, je vous la rends. Merci, ouais. Nathalie, j'ai vu que tu étais quelqu'un de très intuitive, donc on m'a essayé d'aller un peu plus loin, peut-être pas plus loin, mais dans le cadre d'une interaction où l'intuition a une valeur. Mon oncle, il a une carte favorite. Car tu prends le jeu, tu peux le mélanger si tu veux. Tu le mélanges. Et pas de soucis. C'est bon? Et quand t'as mélangé comme ça, maintenant, je vais t'aider parce que j'imagine que tu ne sais pas faire de ruban. On va faire ici un ruban. Maintenant, j'aimerais que tu... Donc, mon oncle a une carte favorite. D'après toi, mon oncle, il est comment? C'est quelqu'un d'introverti ou d'extroverti? C'est ton oncle. Du côté de ma mère. Décris-le moi, pour toi il est plutôt grand, petit, il a une moustache, une barbe, il a rien. Il est brun, il est brun. Ouais. Mes yeux bleus. Okay. Plutôt grand, un peu, peut-être un peu ours comme ça, un peu. Ouais, exactement. Baraque. C'est juste. Je dis ce qui est mieux. Oui, mais c'est pas faux, hein, c'est ça l'idée. C'est ça, quelqu'un de bonhomme, comme on dit, sympa, ouais. Mais un peu haut comme ça. Oui. Mm-hmm. Je sais pas, il est grand. Oui. Et gentil, mais un peu. Un peu bourru. Un peu, ouais. Ouais. Ouais, exactement. Tu penses qu'il est casting astrologique? Alors là, je m'y connais pas bien.
pensée, nos yeux. C'est l'intuition, c'est juste une intuition. Taureau, tu penses qu'il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et il aime, peut-être il a eu joué au basket. C'est ou quelque chose, mais peut-être il le fait plus là parce que. Peut-être qu'il travaille plutôt pour genre vendre des machines photocopieuses ou un truc du genre. Il serait vendeur de machines. Je dis n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Parce que quelque chose du commerce. Exactement, c'est juste. Mais quel domaine exactement, je sais pas. Par exemple, ça serait aller voir des gens pour leur vendre des machines à... C'est très étonnant. Et ou quelque chose. Non, mais c'est ça. J'ai été persuadé que c'était quelqu'un d'intuitif. Maintenant, tu vas mettre ton doigt sur la carte sans la voir sur laquelle tu penses que c'est celle de mon oncle. Celle de ton oncle. Ouais, c'est la carte à route. Celle-ci ? Oui. Alors, je ne dis pas que tu as tout bon, mais ce qui serait intéressant, c'est que tu aies au moins une partie de mon oncle. Je vais te dire, la carte favorite de mon oncle, c'est le 10 de trèfle. Ok. Je retourne la carte. J'ai tous les 10 de trèfle. Non, c'est pas si fait de basket. Bravo. Il s'appelle comment? Il faut le rencontrer. Après toi.